Hello les kids, alors je vais t'expliquer comment renforcer ta structure lors de ton montage de porte en cas de porte lourde. Donc là on est dans une structure porte légère, donc c'est une cloison alvéolaire classique, enfin une porte alvéolaire classique, voilà. Donc c'est un montant simple qui est positionné ici. En cas de porte lourde, c'est le DTU 2541P11, alinéa 6362, parce que là le 6361 c'est les portes légères, donc alinéa 6362. Il existe trois systèmes. C'est d'abord la possibilité de mettre ton montant et après d'emboîter un rail dessus. Donc c'est assez facile, tu vois. C'est en fait tu fais ton système normal et après tu viens emboîter un rail qui part de en haut jusqu'en bas, donc toute la longueur. Ensuite, tu as la possibilité d'avoir des montants plus épais, mais je t'avoue que généralement, tu as du mal à les choper chez Marchand Matériaux, c'est une commande spécifique. Ou aussi le boxage de montants. C'est-à-dire en gros, c'est des montants qui s'emboîtent, ils sont faits pour s'emboîter l'un dans l'autre, ok? Comme papa dans maman, ok? Non, mais je t'ai devancé, Eric, parce que je te sentais venir, ok? Voilà, donc tu emboîtes, et après, il se clique. Je t'assure que ça marchait tout seul, juste avant, d'accord? Pour te montrer ça. Mais quoi, qu'est-ce que j'ai pas fait? Bien, hein? Parce que c'est des chutes en fait, donc elles ont un petit peu de mal à emboîter parce que c'est pas super propre. Voilà. Bah voilà, tout simplement. Voilà. Boxage de montant, ok? Tu emboîtes les montants l'un dans l'autre, ok? Boxage de montant. Il se clique. Tu vois le système? Voilà. Je te montre la petite photo sur le DTU. Voilà, qui explique tout ça. Comme ça, c'est validé mon petit système. Alors. Le boxage de montant, c'était, il y avait un exemple mais c'était plus haut, voilà, cas des montants emboîtés, ok, voilà, voilà la figure, cas des montants emboîtés, tu vois, l'un dans l'autre, ça s'appelle ça un boxage de montant, ok, et c'est par rapport à l'alinéa 6-3, voilà, là, cas porte légère, ok, et là, 6-3-6-2, cas porte lourde. On est bon? Regarde, hop. Porte légère. Porte lourde. Ok, on est bon. Sur ce, je vous dis à tous les kids. Petite info technique sympa. Et n'oubliez pas surtout de cliquer sur j'aime en partant et de partager un maximum. Thank you.